Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast tricot. Alors aujourd'hui, mais exceptionnellement, et je crois que je le ferai à chaque vidéo podcast, je vais me présenter parce que j'ai pu savoir que comme je ne me présentais pas, certaines personnes trouvaient ça un peu bizarre. Donc moi c'est Edith, mais on me connaît beaucoup sur le surnom de Didith. Voilà pourquoi l'atelier de Didith. Je fais du tricot, de la broderie, mais pas que. Voilà, vous le voyez dans sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Du diamond painting, du coloriage, voilà, du scrap. Je fais beaucoup de loisirs créatifs et j'en faisais encore plus avant, mais j'ai réduit un peu. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur mon Instagram, ici, voilà, l'atelier de Didith. Sur ma page Facebook, ici, pareil, qui s'appelle l'atelier de Didith. De toute façon, il vous suffit de taper l'atelier de Didith et vous allez me retrouver partout. C'est-à-dire Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, voilà, partout. J'ai ce nom-là, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. donc voilà, j'ai fait ma petite présentation. Vous avez pu voir également, j'ai fait une petite intro sur ma vidéo pour vous montrer un peu où j'habitais. C'est pas moi qui ai filmé, hein, parce que je n'ai pas de drone pour filmer. Donc c'est mon village, là où j'habite. Donc moi je suis dans le nord, voilà. Près de Valenciennes, à côté de la frontière belge. Je suis frontalière, je suis vraiment à la frontière belge. Et donc voilà, comme ça vous avez pu voir un petit peu mon village. C'est déjà un moyen village, voilà. Et donc comme ça, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais un peu autour de moi. Alors aujourd'hui, nous allons voir plein de choses. Ouvrage fini, il y en a un. Donc celles qui me suivent sur Instagram ont pu le voir, celles qui me suivent sur Facebook ont pu le voir également. Il y a les ouvrages en cours. Il y a également les ouvrages qui sont prévus, voilà, et il y a également mes achats, un peu nombreux, voilà, donc là, je vais vous montrer, pour commencer, mon pull terminé, mais pour ça, je vais le mettre sur moi, vous le verrez mieux. Mais après je l'enlèverai parce qu'il va faire très chaud. À tout de suite. Voilà mon pull. Heureusement, on n'est pas encore aux 40 degrés qu'ils ont prévu la semaine prochaine. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Je vous l'aurais montré comme ça. Donc, c'est mon pull à col roulé. Voilà, terminé. Donc, c'est un modèle Bergère de France. Avec donc des côtes 2-2 pour les poignets, côtes 2-2 pour le col. Et alors, je vais me lever. Hop,
et des côtes de 2 pour le bas. Oui. Comme ceci. Donc, je vous remettrai des photos pour que vous me voyez en entier. Ce sera mieux. Alors, c'est un modèle bergère de France que j'ai fait en taille XL. Ben oui, je ne peux pas faire plus petit. donc, je l'ai tricoté à plat, donc aux aiguilles longues, en aiguille 40 cm. Donc jersey et côte 2-2. Par contre, le col roulé, je les ai fait aux aiguilles circulaires. J'ai repris les mailles ici et j'ai fait mon col en aiguille circulaire pour pas qu'il y ait de couture. Voilà, c'était la première fois que je faisais comme ça un col roulé en aiguille circulaire. Je me suis bien débrouillée. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Oui, j'ai utilisé le fil barisienne. Donc, c'est le fil le plus connu hein, chez Bergère de France. C'est celui qui se tricote le mieux. Enfin, ils se tricotent tous bien hein, chez Bergère de France. Mais voilà. Bon, c'est doux, ça ne gratte pas. Bon, moi, au niveau du cou, je suis toujours un peu quand même... j'aime pas avoir beaucoup de choses de colle au niveau du cou. Mais bon, à l'hiver, il faut quand même avoir un pull qui tienne chaud. Donc, voilà, je l'ai fait. Sinon, la couleur, oui. La couleur, c'est bambou. Voilà. La couleur du modèle d'origine, c'était... Alors, voilà. Eux, normalement, le faisaient en qualité Baronval, mais le Baronval n'existe plus chez Bergère de France. Donc, l'équivalent, c'est ça, c'est la Barisienne. Du coup, la couleur, c'était Myrtille, normalement, le modèle. Mais bon. Donc ça, c'est la version classique du pull col roulé. Elle se tricote donc en aiguille 3 pour les côtes. Voilà, ici, le col et le bas. Et en 3,5 pour le jersey. Voilà, pour tout le reste, c'est en 3,5. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il me fallait 11 pelotes. Pour le faire et il me reste une pelote. Donc en tout j'ai utilisé 10 pelotes. Voilà. Et normalement il en fallait 11. Donc pourquoi? Ah bon, ça y est, je ramasserai après. Donc voilà. Sinon bon, super facile à faire. Hein, aucune difficulté. Bon, si la difficulté, je vous l'avais dit, je crois, au dernier podcast, mais là, c'était moi que j'avais fait une erreur. Je m'étais trompée avec... Enfin, j'avais perdu des mailles, je m'étais empatouillée pour refaire. Mais voilà, on voit pas du tout mes erreurs. Voilà, j'ai aucun défaut sur le pull. Celui-là n'est pas bloqué puisque c'est de l'acrylique. Là, je ne l'ai pas encore lavé. Hein. Sinon, voilà. Il est nickel, il est bien chaud. Et là, je vais le retirer parce que j'ai chaud. Voilà. C'est un modèle gratuit de chez Bergère de France. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller le télécharger directement. Là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le télécharger, il est gratuit sur Bergère de France.
Voilà, il fait meilleur. Alors, maintenant, mes encours. Alors, il y a l'encours que je ne vais pas vous montrer. Vous l'avez vu sur le dernier podcast. Je vous remettrai juste une photo. C'est parce que je l'ai remis en haut en attendant. C'est le deuxième pull d'hiver. J'ai mis de côté pour le moment. Parce que là, bon, j'avais chaud pour le faire. Et pour l'instant, je l'ai mis de côté. Donc, je vous mettrai une photo. Mais là, il est au même point que la dernière fois. Donc, pour l'instant, celui-là est dans son sac. Et je le ressortirai quand les chaleurs seront reparties. Comme c'est pour l'hiver, c'est pas urgent. Alors, on va enlever le crochet, sinon je vais le perdre. J'ai commencé une petite couverture, comme ça. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Non, je l'avais montré sur Instagram et sur Facebook. Avec les pelotes. Désolée, vous allez voir à l'envers, comme ça. De chez Action, donc c'est la Sunday, la spéciale Sunday. C'est un cake de Alison and May, 200 grammes, donc 550 mètres. La couleur, est-ce qu'il la met? Je sais pas s'ils mettent la couleur. Enfin, la couleur, ils mettent le numéro 82 73 14. Voilà, donc j'ai pris plusieurs pelotes. J'en ai une ici et une, deux, trois. J'en ai encore trois en haut. Je verrai si j'en ai assez, sinon je vais peut-être m'en reprendre une ou deux. Alors j'ai commencé une couverture au crochet. Et mais je fais les mailles comme elles me viennent. Je vous explique. Alors, par contre, je pense que je l'ai fait large, mais bon, j'avais pas envie de la redémonter. Elle est très large. Vous voyez. Elle fait 200 mailles. Mais bon, au moins, quand on est ici dans le fauteuil, c'est pour ici dans le fauteuil. Je pourrais bien m'en mitoufler dedans cet hiver. Il n'y aura pas de problème. J'aurais pu faire 150 mailles, mais bon, tant pis. Alors, voilà les mailles que je fais. Alors, il y a des brides, il y a des mailles serrées, ici en bas. Alors, les brides, il y a des brides. Alors, je vous montre comme ça. Voilà. Là, des brides l'une à côté de l'autre, des brides avec un trou, vous voyez, une bride une sur deux, des brides serrées, on va dire, une et une. Là, mailles serrées, des brides une sur deux, là pareil, mailles serrées, deux lignes de brides, et là, je suis en train de faire. J'ai perdu le nom, vous voyez ça, des granits. Voilà, je vais faire plusieurs lignes de granits, peut-être une dizaine. Là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais peut-être en faire une dizaine ou plus, ou 15. Et je vais repartir à refaire ces lignes-là, des granits, ça, des granits, ça. Voilà, tout du long. Voilà, je m'amuse. Je ne me prends pas la tête. C'est vraiment pour dire de m'amuser. Bon, les couleurs sont... Alors, je vous montre les couleurs. Je vais... Hop, voilà. Vous voyez ? Voilà ce que ça fait au niveau couleur. C'est pétante. Bon, je fais
une ligne ou deux comme ça de temps en temps le soir. Je me presse pas, c'est pas, je suis pas pressée à la faire. Hein. Mais là, je vous dis, je vais très certainement peut-être prendre une pelote ou deux, parce que bon, il y a 500 mètres, ça fait 1, 2, ça fait 1000 mètres. Bon, j'ai 2000 mètres. Bon, je pense que j'aurai assez, mais ça y est, je peux en prendre une ou deux, et s'il m'en reste, je ferai des housses de coussin avec. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, mais même si j'avais fait que cette largeur-là, ça m'aurait suffi. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait du 200 mailles. Mais au moins, je pourrais bien m'en mitoufler dedans. Voilà. Donc là, je vous dis, je fais les mailles comme elles me viennent. Bon, là, il me reste encore beaucoup, hein, de toute façon, dans celui-là de cake. Donc, voilà. Ça, c'est pour la couverture. Ensuite, là, j'ai commencé le modèle Drops. Alors, il est vraiment tout juste commencé. Alors, le Drops, je vais prendre mon lit. Pour vous donner le nom, c'est le Old Pink World. Je vais vous mettre la photo. Bon, j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? Ben, moi, c'est la toute première fois, toute première fois que je fais un pull qui commence par le haut. Là, jusque maintenant, ça a à peu près été, puisque c'était ici, le rond du col. Donc, c'était juste des côtes. Voilà. Mais là, maintenant, j'arrive au motif. Et là je bloque. J'ai du mal. Donc, il fallait faire une ligne complète. Après les côtes, il fallait faire une ligne complète à l'endroit. Donc, je l'ai fait. J'ai fait ma ligne à l'endroit. Et maintenant, ben, je bloque parce que je comprends pas. Je comprends. Je crois que je pensais qu'il allait être simple comme pull. Mais je crois qu'il n'est pas simple. Alors, on me dit de faire le... Continuer les aiguilles circulaires et tricoter à 1 sur toutes les mailles. Bien conserver la même tension que pour l'échantillon, ça j'ai compris. Bon, j'ai pas fait l'échantillon, hein, c'est très rare que j'en fais. Mais quand A1 est terminé, continuez le point fantaisie en augmentant de la même façon, autrement dit, augmenter alternativement avant et après la maille en droit du diagramme. C'est du chinois là. Je vous jure, c'est du chinois pour moi. Parce qu'en plus, alors A1, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire des. J'ai toujours eu l'habitude de faire des pulls classiques. Quand je parle de classique, c'est-à-dire aux aiguilles longues. Et donc tricoter à plat. Et là, je crois que je me suis lancée dans un truc. Je comprends pas. Je comprends. Pourtant, d'habitude, je suis pas. Disons le mot, je ne suis pas bête. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Je sais pas parce que je suis bloquée là. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait de mon pull, je suis bloquée complètement. De toute façon, je vais mettre le lien de, puisque c'est un modèle gratuit, bien sûr. Je vais mettre le lien également en barre d'infos. Donc, du modèle Drops. Si quelqu'un peut venir à mon secours.
parce que sinon, ben, je vais le démonter et puis je vais chercher un modèle que je peux faire en tricot, en aiguille droite. Et puis j'abandonnerai le circulaire, ou alors le circulaire, je chercherai un truc plus facile. Là, j'ai d'autres modèles que j'ai prévu de faire qui, eux, me paraissent plus faciles. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais là, bon, désolé, c'est un peu la honte, hein, parce que bon, presque toutes, là, vous faites toutes des pulls super magnifiques, comme ça, en top down. Mais là, moi, c'est vraiment mon tout premier. Et je crois que j'ai pas choisi le bon modèle pour commencer. Et pourtant, l'empiècement, c'est du... Comment ? C'est comme une cote, voilà, comme ça, en rond. Et c'est du jersey, du point mousse. Donc, c'est même pas de la dentelle, rien. Ou alors, j'ai pas la tête à ça en ce moment, j'en sais rien. Donc, voilà. Bon. Ça, c'est le premier... Alors, c'est de la laine drops, hein, aussi. Est-ce que j'ai l'étiquette là? Oui. Donc, c'est de la drops, la Merino Extra Fine Mix. Voilà, c'est celle-ci. En couleur... Couleur. La 46. Voilà. Donc, c'est la couleur du modèle. Bon, sinon, elle est douce, hein. Elle est toute douce. Par contre, je lui trouve un défaut. Elle se dédouble facilement. Voilà, elle se dédouble facilement. Donc, faut faire que je... Il y a ça aussi. Il faut que je surveille ma laine parce que j'ai l'impression que... C'est pas que j'ai l'impression, c'est... Elle se dédouble facilement. Donc, je fais attention de ne pas passer mes aiguilles au milieu de la laine. Mon drop, c'est la toute première fois aussi que je tricote avec. Hein. Donc, voilà. Bon. On fera mieux. Hein. Un deuxième modèle que je suis en train de faire. Alors, c'est un berger de France. Voilà. Alors, je viens de le commencer également, hein, puisque je viens de finir le col roulé. Donc, il n'est pas beaucoup avancé, vous voyez. Alors, je vais sortir une pelote. Alors, c'est de la Parisienne, encore. Couleur blé, voilà. Donc, c'est de la Parisienne. Alors, normalement, elle se tricote en numéro 4. Je dis normalement parce que moi, je tricote mon modèle en 3,5. Voilà. Donc, je tricote en 3,5. Alors, le modèle, je vais vous... Oh, je fais tout tomber. Je vais vous le mettre en photo. Vous voyez, c'est un super modèle. J'ai craqué dessus. Alors, les sorsades, ça fait très longtemps que j'en ai fait, mais bon, j'en ai déjà fait de nombreuses fois sur plusieurs pulls, hein. Bon, ça c'est comme le vélo, hein, ça ne doit pas s'oublier. Et là par contre, alors ici tout le pull, à part les manches, donc le devant et l'arrière, ce sont que des côtes. Voilà, vous voyez, ce ne sont que des côtes. Et donc le premier rang se fait normalement, hein, en droit, en vert, tout du long. Le deuxième rang se fait pareil, en droit, en vert, normalement. C'est des cotes 1-1. Par contre, le troisième rang, c'est une maille en vert, une maille en droit double et une maille en vert. Voilà. Donc, une maille en droit double, une maille en vert. Une maille en droit double, une maille en vert. Et on reprend
sur le rang d'après, une maille en vert, une maille en droit, normal. Donc la maille en droit double, si vous ne savez pas ce que c'est, au lieu de piquer, comment je vais vous montrer, ça va être difficile de montrer, au lieu de piquer dans la maille comme on fait d'habitude, donc en haut, là vous allez piquer dans la maille d'en bas, voilà. Mais bon, c'est un peu compliqué de vous montrer là comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Hein, moi, j'ai regardé de toute façon. Parce que j'en avais jamais fait avant. Et donc, c'est comme ça que je l'ai vu. Attendez, j'ai une petite tortue qui s'en va avec ses couvertures. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est comme ça que j'ai vu comment on faisait. Sinon, bah, comme c'est la parisienne, c'est très doux, c'est souple, il n'y a pas de problème. Donc là, alors par contre, j'ai rallongé parce que le pull me paraissait un peu court pour moi, parce que moi, avec mon ventre, j'ai toujours le même problème. Hein. Avec le ventre, ça remonte. Moi, j'ai toujours le problème du ventre. Hein. Et puis des petites bouées d'amour là sur les côtés. Donc j'ai rallongé le pull de 10 cm. Donc ça fait 40 rangs. Voilà, j'ai rallongé de 40 rangs. Ça me suffira normalement. Et bon, les manches, il n'y aura pas besoin de rallonger. Là, elles seront bonnes. Voilà, donc là celui-là, ben, je le fais comme vous avez pu voir, je le fais en aiguille droite. Voilà, bon, faut juste faire attention, c'est que avec cette histoire de maille en droit double, c'est que quand je pose mon ouvrage et puis que je le reprends le lendemain, je cherche, je dis, oh, je suis sur quoi là? Je suis arrivée à quel rang pour savoir si je suis en rang pair, en rang impair. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Donc, je me repère avec la dernière maille, puisque la dernière maille, elle se termine soit en envers, soit en endroit. Donc, je me repère avec ça pour savoir si je suis sur un rang pair ou un rang impair. Voilà. Donc là, pour l'instant, ce sont les deux seuls ouvrages, à part la couverture, en cours. C'est déjà pas mal. Et je voulais faire un en cours. Et puis là, vous voyez, voilà où j'en suis sur la première pelote. Pour celui-là. Voilà, j'en suis déjà là à la première pelote. Alors, je voulais commencer, avant de me mettre sur celui-là, je voulais commencer un encours en coton. Mais je vois que j'ai toujours du mal avec le coton. J'ai du mal à mettre au coton. Donc, mes pelotes de coton sont là. Vous voyez, j'avais ici. Donc, j'avais essayé avec mon coton blanc et j'ai du mal à m'y mettre. Donc, j'avais fait deux rangs, j'ai remballé ma pelote. Idem avec le vert, j'avais essayé un deuxième modèle. Mais bon, il faut que je m'y mette. Mais je sais pas, j'ai du mal avec le coton, moi. J'ai du mal à travailler. C'est peut-être parce que c'est fin. J'ai du mal à travailler sur du fin. Là c'est le coton bergère de France hein, pourtant, et c'est le coton 50. Vous l'avez déjà présenté hein, celui-là, le blanc, et celui-là c'est le jade, et celui-là c'est le coco. Et j'arrive pas, pourtant j'ai des beaux modèles en coton là à faire, mais il n'y a pas moyen.
Alors, sinon, les modèles que je voudrais faire. Alors, celui-là, je sais pas, je vais voir. J'attends de l'aide. Si j'en ai pas, si j'ai pas d'aide, bah, je le démontre, hein, et je ferai autre chose. Les modèles que je vais, que je voudrais faire. Alors, je regarde avec mes petits papiers, mais moi je vous mets les photos sur l'écran. Alors, il y a le Stay the Same de Vera Valimaki. Voilà. Donc, c'est un modèle de que j'ai eu sur Ravelry. Il est en anglais. Donc, on est en train de me le traduire. Parce que moi, en anglais, niet, hein, je ne peux pas. Celui-là, par contre, me paraît très facile à faire par rapport à celui que je suis en train de faire. Parce que ben, là, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de... Voilà, il y a... Il n'y a aucune... Il n'y a rien qui... qui va m'embêter pour des... Malgré que c'est un pull qui démarre... Que l'on commence en haut jusqu'en bas. Il ne devrait pas être compliqué. Parce que je veux quand même apprendre à tricoter de haut en bas. Voilà. Donc, il faut bien que je commence avec les modèles. Donc celui-là, je vais voir peut-être que je commencerai. Peut-être que si j'abandonne l'autre, je ferai celui-là. Celui-là se fait avec... alors, quoi comme laine? C'est de la laine 100% Mérinos. La Vivacious. Fiber spat, je pense que ça doit être ça, et de la cache-ba, donc c'est la Merino Cachemire polyamide. Je sais que c'est un modèle qui est en, alors c'est un modèle payant, hein. Il est en, il commence de la taille XS jusqu'à la taille XXXL. Voilà. Et sinon, en taille, en tour de taille, je crois que c'est de là qu'ils prennent, hein, c'est de la poitrine. C'est de 75 à 135 cm. Voilà. Donc, pour la laine, je vais voir, moi, si j'ai des, j'ai aussi des laines qui peuvent aller. Parce que, bon, il y a ça aussi. On m'a dit aussi que j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes podcasts parce que je faisais avec des laines, comment, abordables. Voilà. Voilà, le fil d'art, pingouin, bergère de France, tout ça. Ce sont quand même des laines qui sont abordables par rapport aux laines que l'on peut voir dans certains podcasts. Ce sont des laines que j'adore, hein, qu'on voit dans les autres podcasts, mais que ce sont les laines en échevaux, mais bon, qui malheureusement ne peuvent pas aller à tous les budgets. C'est vrai que quand on voit un écheveau à 30, 40, j'en ai vu même jusqu'à 40 €, on ne peut pas toujours prendre des laines comme ça, je comprends. Et moi d'ailleurs, moi la première, hein, moi la première. J'aimerais bien, hein, prendre, j'espère un jour pouvoir prendre, au moins pour un modèle, des écheveaux pour faire un pull ou un gilet, voilà, quelque chose. Mais bon, on verra.
Donc c'est pour ça, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient bien mes podcasts parce que dedans, je montrais des modèles. Mes modèles étaient faits avec des laines abordables. Voilà. Donc, il y aura ce modèle-là. Et ensuite, alors celui-là, j'ai déjà dû vous en parler, je ne sais plus. Il y a aussi le Lonely Horizon. Je vous le mets également en photo sur l'écran. Donc là, c'est un drops qui se tricote comment de haut en bas. Voilà. Excusez-moi si vous voyez ma tête hein, qui descend, mais c'est parce que je lis sur mes petites fiches. donc, qui se tricote de haut en bas avec des emmanchures à gland. Bon, il y a des rayures, mais en bas. Voilà. Donc, c'est moins... Là, il n'y a pas de difficulté. Et ça se tricote donc avec la laine drops. Donc, niveau budget, ça va. Et bien sûr, les circulaires. Voilà. Donc, celui-là, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande difficulté. Donc voilà, pour les modèles qui se font de haut en bas. Ensuite, bon, à part les pulls coton que pour l'instant je laisse de côté, alors, il y a dans mes achats, vous allez voir, il y a des laines. Et c'est pour faire des modèles, bien sûr. Alors, il y a un pull à torsade de chez Bergère de France avec un col montant, un petit col cheminé, hein, qu'on appelle ça. Mais, il y a là, pardon. Désolée, Pacha s'était fait mal. Mais rien de grave, je vous rassure. Alors, je vous disais, pull à torsade à col montant, à part qu'il y aura plein de torsades à faire, pas de grandes difficultés. Alors, bon, là, c'est un pull qui se fait à plat, hein. Donc, avec des côtes de 2, du jersey endroit, des points torsadés et des points de losange. Voilà. Donc, j'ai une grille. Voilà, pour mes torsades. Et là, je l'ai en taille du S au XXL. Voilà. Alors ça, par contre, c'est un modèle payant, c'est un nouveau modèle. Soit que vous l'avez dans le catalogue, vous achetez le catalogue en entier, ou vous n'achetez que ce modèle-là. Je l'ai payé 2 euros. Attendez, je vous dis ça. Ah bah non, 1 euro. J'ai payé 1 euro. Donc, ça doit être une promo, peut-être. Non, mais j'ai payé la fiche, le PDF, 1 euro. Voilà. Donc, pareil, je vous mets le lien pour que vous puissiez le retrouver. Ensuite, donc ça, c'est un modèle Bergère de France que je veux faire. Ensuite, il y a des modèles. Alors là, ça va être des modèles pingouins que je vais faire. Alors, attendez, je retourne en arrière.
juste pour que je vous donne bien les particularités des pulls. Bon, quand j'aurai fait tout ça, l'hiver sera peut-être passé. Hein. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le pull Cali. Donc, c'est un pull de femme. Alors, celui-là, il va être assez large au niveau du ventre. Donc, ça va cacher. Ça va cacher la bouée. Il va se tricoter. Ça fait comme des fines côtes. Enfin, pas des fines côtes. Il va y avoir un trait de jersey. Voilà, de haut en bas. Et il se tricote en jersey en vert, je crois. Donc, ça fait comme une mousse. Alors, ouvre-toi, sésame. Bizarre, j'ai eu gratuit. Mais je l'avais... De toute façon, je l'avais téléchargé. J'espère que j'ai pas oublié de télécharger parce qu'hier c'était gratuit. Là, je vois qu'il est payant. Alors, attendez. Bon, c'est pas grave. Je chercherai. Oui, donc c'est un jersey en vert avec une fine ligne jersey en droit, du coup. Et là, bon, il est avec des côtes aux manches, ici, tout le tour du col, un peu en forme de plastron. Et aux manches et en bas du pull. Voilà. Ensuite, désolé, j'ai oublié de baisser le son comme d'habitude. Le deuxième. Je crois que le site déconne. Allez. Ben, il ne me donne plus les trucs d'hier. Ah, voilà. Le deuxième, c'est un pull homme. Donc là, ce sera pour Chouchou. Il faut bien que j'en fais un de temps en temps. Donc là c'est un pull tout en côte, voilà. Donc là vous pouvez avoir la fiche pour 99 centimes, voilà le PDF. Donc il sera tout en côte. Donc si je ne me trompe pas, c'est des côtes 4-2 ou 5-2, voilà. Et par contre, il y a des côtes plus petites pour le bas du pull, les poignets et le haut du pull. Voilà. Alors, eux, le présenter sur le site en bleu pétant et vert pétant. Donc, vous verrez tout à l'heure que j'ai pris une couleur plus douce. Hein. Et il me... Le troisième, alors c'était... Il est où ? Je sais pas, depuis hier, le... Le site, ils ont dû faire le ménage. Je sais pas. Je ne retrouve pas tout. Voilà, j'ai retrouvé mon pull. Alors, c'est un pull encore avec des torsades. Il y a des torsades sur les manches, un peu sur le devant, un peu sur le derrière. Il y a un point, le point de blé. Voilà. Donc, ça va être un pull avec un col rond. Voilà.
Sinon, voilà, rien d'extraordinaire. Juste que je vois que le prix a changé depuis hier. Non, avant-hier. J'ai commandé avant-hier et j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc ça a été très très vite. Voilà. Donc voilà tous les pulls que je vais faire. Si j'y arrive. Donc maintenant, donc désolée pour ce ce flop un peu pour vous montrer tout ça. La fille qui n'est pas du tout préparée, mais j'avais préparé, mais bon, le site il est fluctuant aujourd'hui. Hein. Et là, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un concours sur fil d'art qui s'arrêtait ce soir. Il était bon 24 heures. Et du coup, je vais essayer. Mais il faut faire une commande pour participer au concours. Pour avoir la pelote d'or, et si on a la pelote d'or dans son colis, on a le droit à un bon d'achat de 200 euros. Donc bon, mais on commande même le minimum hein, dans la. Donc je vais regarder ça ce soir. C'est jusqu'à minuit, il est 10h30. Allez. Maintenant, mes petits achats. J'ai trouvé, alors je voulais, parce que j'ai les pulls qui commencent, les pulls de magasin hein, qui commencent aussi à s'user et que je garde pour, disons, un peu pour traîner à la maison où j'en ai encore qui sont bien, et, mais bon, ça bouloche. Je voulais absolument avoir un rasoir à pull, mais bon, tant qu'à faire, j'en voulais un bon. Je sais qu'Action en vendait un, mais bon, j'ai dit ça va durer je ne sais pas combien de temps, et en plus, eux ils vendaient dans les 14 euros, je crois, 12 ou 14 euros. J'en ai trouvé un chez Amazon. Il y en a plusieurs hein, chez Amazon. Mais j'ai trouvé celui-ci chez Amazon. Donc, c'est un Philips. Donc, c'est de la marque. Qui est garanti 2 ans. Voilà, qui fonctionne avec 2 piles. Je l'ai essayé. Il marche nickel chrome. Je vous assure. Donc, le voici. Donc, ça, c'est la protection. Voilà. Mais je vous assure, il est nickel. Je pensais pas, je croyais pas trop moi au rasoir de pull. Et là, vraiment nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc je vous recommande. Je vous mettrai là tout ce que je vais vous montrer. Je vais vous mettre les liens de toute façon en barre d'infos. Et en plus, en sachant que c'est un Philips, que Action en vendait un à 12 ou 14 euros. Donc Action, là, c'est un Philips, 9,90 €. Il n'y a pas photo. Entre Action qui en vend un à plus de 12 euros, et là, que c'est un Philips, voilà. Donc des fois, il faut chercher un petit peu et on trouve de bonnes choses. Donc voilà, je vous recommande. Vraiment, il est nickel. Et puis, il avait de bons avis aussi. Donc moi, je l'ai lu sur Amazon. Ensuite, alors, je voulais des petites étiquettes pour mettre sur mes pulls. Des fois on ne sait pas le devant derrière hein, les pulls, donc je me suis acheté sur Amazon encore hein. Je me suis acheté ces petites étiquettes là. Bon, c'est écrit en anglais, je m'en fiche,
Moi, c'est juste pour marquer le devant du derrière. Voilà. Alors, avec les petits cœurs. White Love, donc fait main avec amour. Voilà. Donc, je les ai en marron. Je les ai... Viens la main. Comme ça, en blanc-gris. Et je les ai... blanc rose comme ça. Alors c'est un paquet de, mais il y en a dedans déjà 150 si je me trompe pas. Ouais, ça doit être un paquet de 150. J'ai le temps de voir venir, hein. J'ai le temps de voir tricoter. Alors pourquoi j'ai pris comme ça? Toujours pour des... par rapport au prix. Je sais qu'il faut acheter dans les petites boutiques. Il n'y a pas de problème. J'achète dans les petites boutiques. Mais des fois, il y a des choses, je calcule aussi. Parce que j'ai vu dans les petites boutiques, deux étiquettes comme ça. Vendu 3,95 €. J'ai trouvé que c'était un peu cher. Là, les 150, j'ai payé 8 €. Vous allez me dire, ouais, t'as payé 8 €. Oui, mais là, j'en ai. Là, c'est bon. Là, j'en ai pour tout le reste de ma vie. même si ma belle-fille qui fait des crochets aussi, ou ça, bon, voilà, on sera à deux sur le paquet, il n'y a pas de problème. Parce que là, j'ai dit 3,95 € pour deux étiquettes comme ça, non, je ne pouvais pas. C'était pas possible, c'était beaucoup trop cher, je trouvais. C'est quand même un petit bout de tissu, hein. Même si c'était écrit en français, là c'est écrit en anglais, mais bon, voilà. Et en plus, j'avais vu 3,95 € pour deux étiquettes, donc vous voyez l'épaisseur, hein, comme ça. Et les frais de port étaient à 2,80 €. Donc, je veux bien acheter français, je veux bien acheter dans les petites boutiques. J'essaye de le faire le plus possible quand je peux. Mais il y a des moments où, où non, c'est pas possible. Voilà, ne me criez pas dessus. Mais bon, c'est vrai que par les temps qui courent, on calcule tout. Voilà. Mais j'achèterai d'autres choses dans les petites boutiques. Hein. Je vais me rattraper. ensuite, voilà, je voulais. Alors, j'ai déjà enlevé la boîte. Hein. Voilà. Le support à pelote de laine. Ça a un nom, ça. Mais je ne sais plus son nom. J'en voulais un parce que c'est pareil. Moi, je mets ma pelote de laine là dans ma boîte au milieu de mes tricots. Ça saute, ça sort, ça se mélange dans mes autres tricots. Ça, c'est une galère, pas possible. Donc là, au moins, hop, ma pelote de laine sera dessus. Ça va tourner tout seul et je vais être tranquille. Plus de prise de tête. Voilà. Je sais que ça a un nom, mais j'ai oublié. Bon, pareil, je vais vous mettre en barre d'infos le lien que j'ai eu. Alors ça, je l'ai eu chez Amazon également. Voilà. Alors, on va continuer ici. Alors, il manque une paire, c'est parce qu'elle est sur mon ouvrage, vous l'avez vu tout à l'heure.
ma pochette d'aiguilles circulaires. Alors, c'est des Knife Pro. C'est des Knife Pro carbone, les interchangeables, c'est le set starter. Voilà, comme ça. Donc, dedans, vous avez les aiguilles, alors les 3 et demi, les 4 et les 4 et demi. Voilà. Et ensuite, derrière, ben vous avez tout ce qui est... Ah, tiens, j'ai ici une... Ouais, elle est dans la boîte. Il faudrait que je la remette dedans. Oh, mon Dieu. Je perds mes aiguilles. Oh. Excusez-moi. J'ai perdu mes aiguilles. Alors, je disais, dans la pochette derrière, voilà, j'ai tout le petit matériel. Donc, il y a les câbles, voilà. Et ensuite, c'est écrit en anglais, bien sûr. Mais les embouts, voilà, les embouts. Les petites clés là pour serrer, j'ai pas les noms, hein. Je connais pas vraiment les noms en français. Enfin, vous connaissez, voilà, tout est dedans. Alors les câbles, j'ai un 60 cm, un 80 cm et un 100 cm. Voilà. Donc, je vais remettre ça dedans. Donc ça, je l'ai eu dans la boutique Speranza. Voilà. Et j'avais repris chez eux des aiguilles plates, justement. Voilà. Ben, pour mon coton, j'avais repris du 2,5 et du 3. Voilà. En métal, des 40 cm. Moi, c'est la taille que je préfère, les 40 cm. Comme ça, je peux bien bloquer en dessous de mon bras. C'est ce que j'aime. Ensuite, ce que j'ai mis là. Je l'ai mis partout. Ça, je crois que... Oui, non, ceux-là, vous les aviez déjà vus. Oui, ça, vous aviez déjà vu. Oui. Là-dedans, c'est une trousse de toilette d'Yves Rocher, vous voyez. Je vous montre le motif parce que je vais aller voir pourquoi. Dedans j'ai mis mes autres circulaires que j'avais eu, je crois que c'est Speranza aussi, voilà. Et mes crochets de chez Action, ça je l'avais eu chez Rascol, voilà. Et cela je sais plus, Rascol aussi peut-être, je sais plus, voilà. Donc, du coup, j'ai mis ça dans la trousse de toilette. Comme ça, je ne cherche pas. Ah, tiens, je vais mettre mes étiquettes avec. Voilà. Et chez Action, je me suis trouvé une petite trousse comme ça. C'est une trousse d'écolier. Et j'ai pas fait exprès parce que, regardez, il y avait des toucans aussi. Sans faire exprès, je me suis pris la même, enfin à peu près. Et ça, je l'ai prise pour mettre tous mes crochets. Et de l'autre côté, toutes mes épingles, mes arêtes mailles, voilà. Comme ça, je ne cherche plus, tout est dans la trousse. Donc ça, alors je me suis acheté ça, d'ailleurs c'est quoi, c'est des sachets de protection pour les vêtements,
Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Et j'ai rangé mon pull vert dedans. C'est des... Il y en a 25 dedans, de plusieurs tailles. Donc, 5, 10, 15, 20, 25. Il y a 5 tailles différentes. Je compte sur mes doigts. Il y a 5 tailles différentes. Et donc, 5 sachets de chaque. Pour qu'on puisse y ranger les vêtements. Donc, du plus petit au plus grand. Ça, c'est le plus grand. Les autres, le plus petit, vous pouvez y ranger plusieurs chaussettes, par exemple. J'ai pris ça parce que moi, ici, je suis à la campagne. La maison, il y a beaucoup de poussière qui rentre. Voilà. Et c'est vrai que les vêtements qu'on fait soi-même, excusez-moi, c'est pas bien, soi-même à la main, j'ai peur qu'ils s'abîment avec la poussière, tout ça. Donc voilà, j'ai acheté ces sacs. Vous voyez, voilà, les plus petits, ils sont comme ça. Il y en a des allongés, voilà, comme ça. Voilà, on en a 5 de chaque. Et donc, j'ai acheté ça pour pouvoir ranger justement les ouvrages que je vais tricoter ou même des trucs qu'on a déjà dans les placards, qu'on ne se sert pas tout le temps, pour les protéger de la poussière, voilà. Parce que bon, c'est vrai que les vêtements qu'on en fait soi-même, excusez-moi, j'ai mal au dos. Les vêtements qu'on fait soi-même, bon, c'est quand même un peu plus fragile que les vêtements de magasin. Donc j'ai choisi de m'acheter ça, voilà, pour les ranger. On verra l'usage, si j'ai une bonne idée ou pas. Je me suis prise les petits animaux de Cuxé ou Cuqué. Voilà, donc c'est le numéro 2. Parce que j'aimerais bien me faire des petits bébés, des petites poupées, tout ça, en crochet de temps en temps. Comme vous vous rappelez, j'avais acheté chez Filda un colis surprise et j'avais reçu plein de coton pour faire justement tous les petits personnages comme ça. Et je m'en suis pas encore servi. Donc j'ai dit tiens, ça, pourquoi pas, vous voyez. Ça me donnera des idées. Alors, j'en avais vu, voyez, le petit koala. J'ai bien envie de faire le petit koala en premier. Il me plaît bien. C'est bien expliqué. Voyez, là, il y a le pas à pas. Voilà, c'est vraiment très bien. Et j'ai pris également les poupées de Lulu au crochet. C'est de Lulu Compotine. Voilà. Donc là, il n'y a que de la poupée et des petits accessoires avec. Puis de temps en temps, bah, il y a une petite souris, une petite citrouille. Voilà, vous voyez. Un petit écureuil. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Elle va avec sa bouée, sa petite tortue. Là, avec une petite fleur, voilà, vous voyez. Voilà, il y a plein de jolis modèles. Donc je vais potasser ça
Et puis, je regarderai ce que je ferai de temps en temps. Voilà. Et j'ai eu aussi, j'ai pris maintenant mon. J'avais pris le crochet pas à pas pour avoir les modèles de couverture, de tout ça. Et le hors-série de Idéal Crochet également. C'est pareil, c'est parce qu'il y a des modèles de crochet, de housse, de coussin, tout ça, de couverture, de, voilà. J'ai pris ça cette semaine. Bon. Voilà, le plus gros morceau maintenant. J'ai très mal à mon dos. Je suis désolée. Alors, ici, on est chez Bergère de France. Là, j'ai repris de la laine parisienne couleur blé. Voilà. Donc, c'est pour... Parce que je n'aurais pas eu assez pour le pull avec les torsades sur les bras. Voilà. Donc, j'en ai repris 5. Et ensuite... la parisienne, alors couleur igloo, c'est la blanche. Hein. Voilà, igloo. Pour faire le pull, pareil, celui qui est plein de torsades avec le petit col cheminée. Et avec celui-là, il y a ces trois couleurs-là. Donc le jojoba. Le capucine, ce sont des parisiennes aussi, hein. Et le royal. Vous avez remarqué, je vous remets la photo, je suis désolée, sur les bras, ici, il y a des petits pompons de couleur. Donc, on a besoin de ces trois couleurs-là. Donc voilà pour Bergère de France. Hop. Et maintenant, oh, j'ai eu des gros paquets en plus. Maintenant, pour... pingouin. Alors, celle-là, que je me trompe pas. Oui. Celle-là, c'est pour le pull de chouchou, si je me trompe pas. Voilà. Donc, c'est la Finger First couleur. Couleur quoi? Quelle couleur? Couleur là. Voilà. Désolée. Voilà. Et ici. Alors, la Pingo Mini. Donc, ça, c'est couleur. J'ai très mal aux yeux. Bon, je vais regarder dedans, j'irai plus vite. Hein. Alors là, les paquets se vendaient entiers. On ne pouvait pas prendre par pelote. Mais quand je vais vous dire le prix, de toute façon, vous allez dire, oui, de toute façon, à ce prix-là, est cru. Allez.
écru, il y en a 10, donc on était obligé de prendre par 10, et c'était 9 euros le paquet. Non, oui, si, 9 euros le paquet. Donc, voilà. Et... Ah, j'ai encore une pelote pour Chouchou là-bas. Ah bah oui, c'était 11. Pas 10 pour lui, c'était 11. Et idem pour celui-là. Donc, deux paquets obligatoires. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, 9 euros pour 10 pelotes... On va pas pleurer. Hein. Et là, bah, c'est couleur beige, tout simplement. Donc, c'est du 100% acrylique. Hein. 100% acrylique, c'est 50 grammes et c'est des 150 mètres, des pelotes de 150 mètres. Voilà. Sinon, elle se lave à 30 degrés, pas de séchoir, bon, ils disent lave-linge 30 degrés, mais ça, cette plaine-là, moi, à la main. Hein. Donc, voilà. Ben voilà encore de la laine hein, qui rentre. Donc ça me fait 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 60, 65, à peu près 70 pelotes. Et encore... plus tout ce qu'il y a en haut, voilà. Je crois que j'y en ai pour un moment, on va tricoter. Mais là, bon, je sais pas jusqu'à là. J'ai vu que bon, là, les mini là maintenant elles sont à 9,99. Bon, au lieu de 9, vous perdez pas grand chose, hein, c'est toujours, mais je vais vous mettre les liens de toute façon de tout ça. De tout ce que j'ai acheté, les liens des pulls également, donc de Bergère de France, de Pingouin, je vais bien vous remettre tout ça tout clair, propre, net. Ça a été un peu brouillon aujourd'hui mon podcast, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu mal au dos et puis du coup ça me fatigue un petit peu, je suis désolée. Mais je voulais absolument le faire. J'attendais encore une commande, mais elle vient d'AliExpress. Donc là, c'est un peu plus long. Mais bon, ça fait rien. Je vous montrerai la prochaine fois. Sinon, ben voilà. Donc ben là, j'attends de voir pour mon pull, là, si je continue, si je trouve la solution pour le faire ou pas. Sinon, bah, je le démonte et puis j'attaque un autre pull, puis je verrai bien. Je le referai plus tard ou on verra. Alors, hier, j'ai trouvé. Vous savez que je suis toujours. Je n'ai toujours pas commencé mes chaussettes. Parce que je veux faire des chaussettes. Parce que je cherche toujours la méthode pour les faire, mais une méthode facile pour démarrer. Et hier, j'ai vu dans une vidéo, je ne saurais plus dire sur un podcast, malheureusement, je ne saurais plus dire à qui, je suis désolée. Elle parlait de qu'elle avait trouvé sur Ravelry une méthode pour comment tricoter ses premières paires de chaussettes. Et
du coup, j'ai bien écouté et j'ai été voir sur Ravelry cette méthode qui est en français. Oui. Donc déjà là, j'ai dit « oupi ». Et qui n'était pas cher. Le PDF était à 5 euros. J'ai payé combien ? 5,90, je crois, comme dans ces eaux-là. Et donc, c'est Lily Sox. Donc, j'ai payé, hein, j'ai téléchargé mon PDF. Et bon, j'ai pas encore tout lu, hein, puisqu'il y a plusieurs pages, mais ça m'a l'air d'être déjà très intéressant. Et en plus, il y a des liens de vidéos dedans. Alors, par exemple, pour le montage, German Twisted, le Magic Loop, les codes Torst, le changement de fil avec les diminutions, les points dentelles, les talons en rang raccourci, les talons renforcés avec gousset, les talons après coup, les diminutions de la pointe, le crafting du pied et du talon. Voilà, elle a fait des vidéos pour toutes ces choses. Et elle a mis les liens dans le PDF. Du coup, ben, c'est super bien parce que ben, on peut aller voir les vidéos. Moi, voir l'écrit plus la vidéo plus les images, là, super. Bon, bien sûr, comme elle dit, il ne faut pas qu'on partage les liens vers ces vidéos, hein, puisque les liens sont sur le PDF. Donc, si vous voulez avoir les liens des vidéos, ben, il faut acheter son PDF. C'est tout à fait normal, donc je ne vais pas vous partager les liens. Hein. Et après, bon, dans le PDF, elle donne toutes les explications, comment on fait, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais c'est super bien détaillé. Donc, moi, je vais déjà bien potasser ça, regarder toutes ces vidéos qu'elle a fait, regarder tous les petits dessins qu'elle a mis aussi, et voir si j'arrive enfin à pondre une paire de chaussettes. Parce que j'ai ma laine à chaussettes hein, depuis un moment, maintenant. Mais j'ai toujours pas réussi à trouver et à faire ma toute première paire de chaussettes. Voilà. Donc, je vais bien potasser ça et puis je vais regarder ça. Donc, je vais vous mettre le lien pour avoir son PDF. Comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous pourrez l'acheter hein, pour le télécharger. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous en parler, partager cette trouvaille avec vous, pour celles qui sont comme moi, qui ne savent pas faire les chaussettes ou qui cherchent à en faire. Donc voilà. Je vous fais un petit rajout dans la vidéo pour vous montrer ma petite réserve de laine, toute petite, voilà. Alors bon, c'est un peu mélangé, le fil d'art, le pingouin et le bergère de France. J'aurais dû faire des cases, bon, je vais peut-être ranger. Alors, c'est pas des meubles, hein. Vous voyez, c'est des cartons. J'ai fait mes étagères avec des cartons. J'ai dit, c'est aussi simple, j'ai pas voulu dépenser d'argent avec... avec des petits meubles. Là, par contre, ici, et là, il y en a encore trois en dessous et trois là, c'est le lot de coton que j'avais eu de chez Fil d'Art, le lot surprise. Voilà.
Et il y a quelque part, oui, là, une pelote de corde que j'avais eue dedans. Voilà, donc ça, c'est toutes les couleurs que j'ai eues. Ici en bas, j'ai les cotons de chez Bergère de France. Donc les blancs, les... Alors ça, je sais plus c'est quoi comme couleur. Jade. Ces trois-là, je sais plus si vous vous rappelez, je m'étais trompée. J'avais pris ces trois couleurs-là alors qu'il en fallait plus. Ça, c'était pâture. Citron. Et grenadier. Je devais les renvoyer, puis en fin de compte, je ne les ai pas renvoyés. Bon, je ferai certainement quelque chose avec, on verra bien. Malgré que je vous ai dit, moi, le coton, j'ai du mal, mais bon, on verra. Voilà, là, c'est la dernière commande que je viens de recevoir, ici, sauf les deux fourrures. Hein. Les fourrures, ça vient de chez Speranza. Voilà. C'était pour un partenariat, c'est du cheval blanc. Donc, je verrai aussi ce que je vais en faire. Ça, c'est du fil d'art. C'est le pull d'hiver que j'ai un peu stoppé pour l'instant, mais que je vais finir. Ça, c'est du Bergère de France. C'est pour faire le pull blanc avec les torsades et les trois pelotes pour faire les petits pompons sur les bras. Ça ici, c'est les Pingo Mini de chez Pingouin. C'est bien ça, je me trompe pas, ouais, Pingouin. Donc il y a 20 pelotes de chaque. Ça ici, c'est pour faire le pull à chouchou dans la Pingo First. Donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc j'ai tout rangé hein, là. Après, là c'est le blé, couleur blé du petit pull que je suis en train de faire avec les torsades sur le bras. Alors ici, il y a deux pelotes remises en boule parce que j'avais commencé un pull et ça faisait super moche. Donc j'avais démonté et j'ai remis les pelotes en boule. C'est du Bergère de France, c'est de la Parisienne, mais c'est de la plus grosse algue blanc, c'est du 6,5. Donc je vais voir ce que je ferai avec. Là, j'ai du rose. Alors, je rose, je réfléchis. J'ai demandé qui voulait l'acheter. Pour l'instant, je l'ai remis dans mes cartons. Je vais voir. Je garde, je garde pas. Je garde, je garde pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça, c'est ce qui me reste du pull que j'avais fait à Chouchou. Il m'en restait trois. C'est Parisienne, Bergère de France. Et là, c'est pareil, du pull que j'avais fait à ma petite fille, mais c'est du sport. J'avais vu large, là. Il me restait cinq pelotes. Du coup, le rose, c'est du pingouin. Vous voyez? Pingo First. Alors voilà, les pelotes pour ma couverture. Et j'ai revu, j'en ai encore une en bas. Donc j'en ai encore quatre. Du coup, j'en ai quatre. Et celle qui est entamée. Donc là, j'ai encore. Là, j'ai 1000 mètres. Plus de 1000 mètres. Non, 2000 mètres encore. Donc je pense largement que j'aurai assez pour ma couverture. Là, j'ai du noir. Bergère de France, Parisienne, toujours. J'aime beaucoup cette laine. Ici, parisienne toujours, mais en rouge. C'est du géranium. Ça, c'est pour me faire un gilet, ces deux couleurs-là. On le tricote mélangé, si je me rappelle. C'est du fil d'art, du fil diamant. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je les ai. Faut que je retrouve mon modèle. Alors, vous avez vu, j'ai quand même beaucoup de beige et de marron. Hein. Je fais pas exprès, mais je sais pas pourquoi. Je tape souvent dans le beige et le marron. Toujours parisienne du galet.
Alors, je crois que c'était pour faire un pull pour Chouchou. Mais bon, il a changé d'avis, il le voulait pas. Là, du Charlie, de fil d'art. Mais c'est vrai que je tape beaucoup dans le beige et le marron. Ça, c'était pour faire un pull à Chouchou aussi. Bingo First, noisette, ça, si je ne me trompe pas. Alors, c'est marqué où? Oui, noisette. Et c'était pour aller avec celle-ci. Celle-ci, c'était mocha. Mais bon, il m'a dit, oh, j'aime pas les pulls de couleur. C'est difficile, les hommes, je vous jure. Ça, c'est pour me faire le pull bouclette de Bergère de France avec la toison. Ces couleurs Porto. C'est un pull super facile à faire. Donc, faut que je me le fais. Là. Et donc là, c'est la blé que je vous ai dit. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon, en dessous, il n'y a rien. Hein. C'est du bric-à-brac en dessous. Il y a juste là que j'ai toujours la veste à chouchou à finir. Mais alors, la veste à chouchou, je l'avais reprise. J'avais commencé à la coudre puisqu'il me reste à la coudre. Mais je l'ai cousue à l'envers. On ne rigole pas, s'il vous plaît. On ne rigole pas. Du coup, il faut que je la découpe et je la refais. Voilà. Et là, il me reste une pelote de looping. Toute seule, donc ça, je sais pas ce que je vais en faire, et ça, c'est ce qui me reste de mon pull col roulé que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, j'ai du stock là. Il faudrait que j'arrête de commander. D'ailleurs, je vais pas commander. Et tout à l'heure, je vous disais dans la vidéo que j'allais faire une commande chez Fildart pour faire le concours pour la pelote d'or. Là, on est le matin, hein, quand on est le lendemain de tout à l'heure. Et puis j'ai oublié. Voilà. Donc, je ne participe pas au concours de Fildart ni de Pingouin, puisque Pingouin, c'est la même société, il faisait aussi. J'ai complètement zappé, donc je n'ai pas passé de commande. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que quand vous voyez mon stock, on se dit qu'il y a de quoi faire. Mais quand je regarde comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de beige, beaucoup de marron. Je ne suis pas très colorée, moi. Voilà. Mais bon, j'ai pas non plus, enfin, quand je dis ça, il y en a qui vont me faire des holà. J'ai pas non plus l'âge de mettre des couleurs criardes. Puis j'en ai jamais mis, hein. J'ai jamais été du style à mettre des couleurs très criardes. Bon, j'ai 58 ans, hein, je pourrais quand même encore mettre des couleurs un peu joyeuses. Voilà, on va dire comme ça. Mais j'ai jamais été, j'ai jamais mis de couleur vraiment très flashy. C'est peut-être, ça vient peut-être de l'enfance, parce que moi, pendant l'enfance, à l'école, j'ai porté l'uniforme. J'étais chez les sœurs et chez les sœurs, on portait l'uniforme, donc c'est peut-être des restes de l'uniforme bleu marine que j'ai eu pendant quelques années à l'école. Voilà. Donc voilà, du coup je voulais rajouter ça à ma vidéo, à mon petit podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, bah, sur ma petite réserve là de lait, je sais que ça a un nom, j'ai oublié le nom la réserve de laine. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Je le savais et je l'ai zappé. Mais alors, s'il y en a une d'entre vous qui sait comment on appelle la réserve de laine, redites-le moi, j'ai oublié le mot. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais aller faire le montage de la vidéo, hein, parce que je n'ai plus rien à vous montrer pour le moment.
Et puis, ben, on se retrouve rapidement. Bon, ben, je crois que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour vous. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Il faut que je vous prépare la prochaine fois un faux tube pour la broderie. C'est prévu. Sinon, là, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous de bons tricots. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Je vous mets en image des modèles et les choses que j'ai achetées.